j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. En même temps, je viens de finir de tourner ici, dans cette vue-là. Je pense que vous l'avez vu, je pense que c'était mercredi. Le haul Shein, bah, avec ce que je porte, là, ça va être la tenue du jour. J'ai plus que les chaussettes à mettre et tout à ranger parce que voilà, la multitude de fringues est là. Il y en a partout par terre, il y en a un peu partout là dans la pièce. Je vais chez le coiffeur cet après-midi, il est temps, j'en peux plus de cette coupe là. Aujourd'hui c'est une journée sans make-up, je pense que vous le voyez, j'ai ma peau qui est pas terrible. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai fait une réaction, je ne sais pas à quel produit, je ne sais pas si c'est un des produits, le fond de teint ou le démaquillant de chez Yves Rocher et le fond de teint de chez YesStyle. Je ne sais pas à quoi j'ai fait une réaction, mais alors, en fait, j'ai clairement été brûlée. C'est encore un petit peu gonflé ici au niveau de l'œil, mais c'est beaucoup mieux. C'était quand mercredi, je pense que c'était mercredi à jeudi. Ben, c'est la semaine dernière, la seule fois que je me suis maquillée. Ou jeudi à vendredi, je ne sais plus. Donc là, ça fait vendredi... non, c'était mercredi... Jeudi matin, je me suis réveillée comme ça, jeudi matin. Non, mais attendez... Vous avez vu la pub Elephant Man, enfin le film Elephant Man, bah, j'étais un peu comme ça, c'était tout boursouflé, tout brûlé, tout pas terrible. Et là j'ai la peau ultra sèche. Donc là je vais aller remettre encore un peu de crème. Donc je la nourris plusieurs fois dans la journée. Mais on voit que c'est encore, voyez, on voit que c'est encore un peu marqué. C'est pas terrible, c'est encore un peu ici gonflé. C'est pas génial. Donc aujourd'hui, bah, il n'y aura pas encore de make-up aujourd'hui. De toute façon, je vais chez le coiffeur. Donc quand je vais chez le coiffeur, elle m'en barbouille de partout. Plus le masque, etc. Donc je vais aller chez le coiffeur. Vous avez vu aussi ma nouvelle manucure, la manucure pour Noël. Alors j'ai testé la base... comment dire? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ce matin, j'ai cet ongle-là qui a sauté. En essayant de mettre les bottes là pour la vidéo, bam, il a sauté. Donc je l'ai recollé là ce matin avec de la colle à faux ongles. C'était pour tester là le. Je pense que je vais rester sur la Gummy Beer Base de chez Ongle 24. Donc je vais ranger un petit peu tout ça, là, mettre ce qu'il y a à laver, mettre ce qu'il y a sur cintre, Et après je vous retrouve, je ne sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Il est 10h. Ouais, il est 10h, donc c'est bon. J'ai encore le temps. Tout simplement parce que entre 11h20 et d'ailleurs ça fait partie du haul avec le jean, le petit jean, nos jeans, faut que je mette des chaussettes, le jean, nos jeans qui fait partie du haul Shein, je vous le mettrai en barre d'infos si vous... ce petit pull là, je sais pas s'il est encore dispo. Ouais, j'ai une livraison chrono fraîche entre 11h20 et 13h20, donc j'espère qu'ils vont livrer avant parce que à 13h30 je pars chez le coiffeur. Pour ce que je vous ai parlé, les plats préparés par des chefs, ce sont des produits frais, des produits de saison, c'est la marque Season. J'ai vu ça sur Instagram, donc je me suis dit, j'ai pris je crois 8 plats ou 9 plats pour le midi, pour moi et mon mari, quand il revient, puisque comme là vous savez que les restaurants sont fermés jusqu'au 20, et bah, y a des jours il arrive à trouver un truc à manger, une boulangerie ou quoi. Et parce qu'il est trop loin et bah, des fois il, comme il est quand même pas très loin de la maison, il revient, mais moi il me prévient à midi moins 10. Comme le midi en général je me fais très peu à manger, bien souvent je me fais une salade, un truc comme ça, lui ça lui fait pas assez pour le midi. Donc je me suis dit pourquoi pas tester des plats comme ça, il y a juste à réchauffer au micro-ondes, c'est déjà cuisiné. Bon, j'ai pris plusieurs plats, donc je vous ferai voir tout à l'heure quand ça va arriver, c'est livré par Chrono Fresh. Donc je vous expliquerai un petit peu le système quand ça va être livré, etc. Je vous ferai voir sur le site et tout. Je sais que je crois que j'ai un lien de parrainage qui vous donne moins 20% je crois sur votre première commande, un truc comme ça. Donc, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Puis moi je cumule des points ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne. C'est pas un partenariat, c'est moi qui ai payé avec mes sous. J'ai voulu tester, j'ai vu ça passer sur Instagram. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Si c'est bon, je pense qu'on va continuer. On prendra bah, jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 20 janvier, pour que mon mari ait des plats le midi. Voilà, quand ça, quand il revient et du travail, il perd pas de temps et voilà. Donc là, je vais ranger tout mon bazar, remettre tout ce qui a levé sur cintre. Il y a des choses qu'il faut que je remette sur Vinted qui étaient soit trop petites, soit trop grandes, etc. Donc
Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout sur cintre, mettre ce qu'il y a à laver, et je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai reçu, je pense que vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je poste des choses que je poste pas forcément ici dans les vlogs. J'ai reçu un big colis de la part de Makeup Revolution, dont je les remercie fortement. Makeup Revolution Angleterre, qui m'avait contacté pour demander si ça m'intéressait de recevoir la collection Friends numéro 2. De prime abord, j'avais dit oui, je la commanderai pas parce que franchement, il n'y avait pas grand chose qui m'attirait. Et là, j'ai reçu des petites choses, et ben il y a l'air d'avoir des choses qui sont pas mal quand même. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure et je pense que je la testerai en vidéo. Je vous avais fait demander un petit sondage sur Instagram et c'est la palette en format livre qui moi aussi me parlait le plus qui est revenue. Donc je vais préparer ça, puis je vous montrerai ça tout à l'heure, je pense cet après-midi. Ouais, quand je vais revenir. Je vais vous montrer là à l'instant parce que j'ai encore du temps. J'ai fait une commande bon prix. Ben, je vais vous la montrer là. Je vais laisser la porte ouverte là parce que si ça sonne, je ne vais pas entendre. Donc j'ai fait une commande bon prix. Je vous disais pour des sous-vêtements, parce que j'avais plus rien en sous-vêtements, toutes mes baleines se barraient. Enfin, je me suis dit, va falloir que je réinvestisse dans des sous-vêtements. Et habituellement, j'achète mes sous-vêtements chez Intermarché. Oui, j'achète la marque Intermarché, je les trouve très bien. Ils tiennent très bien dans le temps. Et je me suis dit, oh, j'avais envie de tester ceux de chez Bonprix. Donc j'ai pris des lots de deux. Donc là, j'en porte un. Je porte un qui était dans un lot avec le rose. Donc j'ai pris en différentes tailles, soit en 120, soit en 115, soit en bonnet C ou D, je ne sais plus. Donc c'est les Bonprix sélection. Donc hop là. Celui que je porte, le blanc, il était avec ce lot-là en rose. Alors ceux-là, ils sont un petit peu juste. J'ai dû mettre un petit truc d'extension derrière que j'avais acheté sur Shein. Donc par contre, ils sont très jolis. Je vais vous le montrer comme ça va être plus facile. Vous montrer le bonnet. Alors, ils sont très jolis au niveau de la couleur. Là, c'est un rose. Ça maintient bien les côtés parce que c'est assez large. C'est une 3 agrafes. Il est tout en dentelle. C'est pas facile à montrer la lingerie. Il est tout en dentelle là sur le côté. Il est très sympa. Donc ça, je valide. J'ai pris un lot pareil de rouge. Oui, parce que des fois, j'ai des choses et puis ils mettent des rouges, du rouge. Celui-ci, il est un petit peu différent. Il a Hop là. C'est pas facile à faire voir, hein, je vous le dis moi. Voilà, il a le bonnet. Comme ça, et tout le haut en dentelle, ainsi que la bretelle. La bretelle est toute en dentelle, très jolie. Celui-ci, il se ferme à 4. Celui-ci taille parfaitement. Donc, ceux-là, je pense que il y avait d'autres couleurs. Je pense que je vais me reprendre un autre lot. Les lots étaient à 19,99 euros, donc 20 euros. Ça fait 10 euros le soutien-gorge. Franchement, c'est très sympa. Et j'en ai pris un, bien sûr, dans un lot avec un léopard, comme ça, noir et. Noir et léopard, hein, voilà, tout simplement. Il est très joli celui-ci. Ceux-là, ils taillent parfaitement. Ceux-là, ils sont ultra confortables. Ils sont assez élastiques au niveau d'ici. L'élastique qui tient, qui maintient ici est très agréable. Alors, pour savoir si un soutien-gorge est vraiment à votre taille, petite astuce. Quand vous mettez le soutien-gorge ici avec le bonnet, ce qu'il y a ici entre les deux là, ici. Ça doit toucher votre peau. Si ça baille comme ça, si ça baille dans le. Si ça va pas, si ça, entre vos deux seins, ça touche votre peau, c'est que le soutien-gorge est adapté à votre taille. Sinon, ce n'est pas le cas. Soit le bonnet n'est pas adapté, soit le tour de taille n'est pas adapté. Donc ceux-là, ils sont parfaits. Donc je pense que j'ai noté la référence. De toute façon, je vous mettrai les références en barre d'infos. Je pense que je me recommanderai un lot avec d'autres couleurs. Et ceux-là, je suis un peu sceptique parce que c'était des soutiens-gorge un peu. Minimizer, ils appellent ça. Le bonnet est un peu grand pour moi, mais je les garde quand même parce que voilà, ça peut toujours dépanner. J'en avais plus du tout de noir. Donc la bretelle est. Donc c'est un tout noir, j'ai pris. Et la bretelle est très jolie, tout en dentelle. Les bretelles sont très très larges. C'est un 3, 4 agrafes aussi. C'est assez agréable. Donc ils sont pas mal aussi, ceux-là. Il est très joli aussi au niveau de la couleur. Et c'est un lot de deux, pareil. Je crois qu'ils étaient à 15 euros ceux-là. Attendez voir. Non. Pareil, 19 euros. C'est les deux, le rose et le blanc. Ils étaient à 16 euros. Donc franchement, c'est pas cher. Et je l'ai pris en beige aussi. J'ai pris en beige. Donc. Hop là. C'est plus facile à vous faire voir comme ça. Ils sont encore attachés.
Et je l'ai pris en beige comme ça aussi. Donc ceux-là, c'est plus des soutiens-gorge, je dirais, qui sont plus pour le confort, on va dire. Voilà, c'est des soutiens-gorge de confort. Le bonnet, j'aurais pu prendre un petit bonnet en dessous. Parce que voilà, j'avais pas vu que c'était des soutiens-gorge minimizer. Donc le minimizer, le principe, c'est de réduire le volume de la poitrine. Et du coup, j'ai pris le même bonnet que je prenais habituellement. Donc je pense que j'aurais pu prendre pour 10 euros. Voilà, je vais les garder et je les porterai quand même parce que voilà, ils vont. Donc je vais les porter quand même. Donc eh bien, je ne suis pas déçue du tout de ma commande Bonprix. Vous pouvez en plus renvoyer les produits gratuitement, je crois. Il me semble que c'est gratuit les retours. Donc voilà, dans le petit sac, vous avez la petite truc pour envoyer. Donc bien. Donc je pense que je me recommanderai un lot avec plutôt dans cette gamme-là. Avec celui qui est comme ça, parce que c'est un lot de deux. Bon, je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme couleur. Et je pense que je vais regarder dès qu'il y aura une offre, une promo ou quoi. Ben, je me reprendrai sûrement un tout noir. Parce qu'il n'y avait plus de tout noir. Un blanc, un bleu. Enfin voilà, pour aller avec les différentes fringues que j'ai. Donc voilà, ça je suis ravie, ravie. Donc je range tout ça. Je vous retrouve pour les petites choses de chez Makeup Revolution. Et puis après. Je vais aller finir la miniature en attendant que le chrono fraîche passe. Je vais aller finir la miniature de la vidéo ongle. Voilà, qui est dû sortir mardi. Qui est pour demain. Ouais, qui est pour demain. Et commencer bien à monter celle-ci de chez Shein. Parce que les vidéos Shein. Donc là, vous voyez, il est 10h. J'ai commencé à tourner à 8h30. À savoir que j'ai mis presque 1h30 rien que pour tourner la partie essayage, vêtements, présentation. Donc après, il faut que j'importe tous les fichiers. Après, il faut que je sélectionne les photos sur le site. Donc ça, je l'ai déjà fait en amont. Donc ça va me prendre un peu moins de temps. Après, il faut faire les découpages, etc. Je pense que j'ai au moins 1h30 à 2h de montage. Donc une vidéo Shein qui dure à peu près entre 15 et 20 minutes pour vous. Moi, j'ai à peu près 5 à 6 heures de travail dessus. Donc les vidéos Shein, c'est du boulot. Et là, quand j'ai quelques pièces, ça va très vite. Mais là, il y avait beaucoup de pièces parce que j'ai fait de plusieurs commandes. Donc voilà. Donc, je range tout ça. Je vous retrouve pour les petites choses de Makeup Révolution. À tout de suite. Voilà, j'ai tout rangé, c'est bon. Donc je disais oui, j'ai reçu un très très joli coffret de la part de Makeup Révolution. Je les en remercie. Donc je vais pouvoir tester tout ça et vous donner un peu mon avis. Donc déjà dans ce coffret, il y avait les deux choses pour mettre dans le bain. Alors comme je vous l'ai dit, nous on n'a pas de baignoire. Mais à chaque fois qu'on part en week-end ou qu'on va chez quelqu'un et qu'il y a une baignoire, eh bien on en profite. Donc on a deux selles de bain, enfin deux bombes de bain. Il y a celle-là, la Taxi, qui est vraiment très sympa. Celle-ci qui est à la Strawberry, c'est fraise. Donc ça c'est top. On a aussi dans cette collection un soin hydratant pour le corps à l'expresso, au café, j'imagine. On a toujours dans cette gamme-là Central Perk, il me semble que c'était le café de chez Friends, avec donc dans ce petit genre de truc à café qu'on peut récupérer. Après, on avait un scrub pour le corps au café. Ça sent à travers le paquet. Donc, à ça, j'ai hâte de le tester. Par contre, je ne testerai pas dans ma douche à l'étage parce que ma douche est blanche. Je le ferai dans la douche du rez-de-chaussée qui est en carrelage. Parce que j'ai peur de tacher la douche. Ensuite, on a deux petites choses pour les lèvres. On a un lip scrub et un masque à lèvres. Il y en a un à la vanille latte et l'autre au caramel latte. Ça sent très très bon. Donc ça, je ne vais pas les utiliser pour l'instant parce que en ce moment, j'utilise ceux-là. Qui sont de chez Makeup Revolution aussi. On a celui-là qui est au scrub qui était watermelon. J'utilise celui-là en ce moment. Donc, et pour les lèvres, j'utilise celui-là en ce moment. C'est le. Bah, c'était dans la même gamme. C'est le watermelon, pareil, pour les lèvres. Bon, j'utilise cela en ce moment et j'utilise aussi deux autres. Celui-ci et celui-ci, le beurre à lèvres de chez The Body Shop, que j'avais dans le calendrier de l'Avent, enfin que vous avez actuellement, le calendrier de l'Avent actuel, celui-là à la coco et celui-là à la mangue. Voilà, j'aime bien, en ce moment j'utilise ça, donc ceux-là, bah, on va les attendre un petit peu. Et après, en matière de palette, donc j'ai reçu trois palettes. Donc oui, c'est pas une écrevisse, c'est un homard. Je suis pas une grande fan de Friends, donc je les ai regardés, hein, je les ai regardés, mais je suis pas une grande fan. Alors j'avais dit que c'était un homard. Non, une écrevisse, mais c'est un homard, les gars.
Donc on a celle-ci qui est très jolie. Allez, dans les tons un petit peu, je dirais passe-partout tous les jours. J'ai pas du tout swatché ce que ça donne. Oh, ben, je suis surprise. C'est ultra pigmenté. Ouais. Ouh là là, je voyais pas ça aussi pigmenté, dis donc. Eh bien, écoutez, c'est ultra pigmenté. Donc ça, je pense que... Je sais pas si j'aurai le temps de tester dans le vlog de cette semaine, mais je vous aurai une vidéo dédiée, je pense, peut-être la semaine prochaine. Comme vous avez vu, cette semaine, il y a eu des vidéos tous les jours. Est-ce que je vais continuer Mystère et boule de gomme? Peut-être qu'il y aura une semaine numéro 2 bis, on va voir. Alors, je vais prendre un petit coton pour m'enlever tout ça. Avec un peu de démaquillant pour pouvoir faire un peu de swatch sur celle-ci. Là, le bleu, là, il m'intrigue. Le bleu, là. Donc, celle-ci, c'est celle qui est en forme de taxi. Elle est marrante, elle est très jolie, celle-là. Qui est un petit peu... Je dirais plus passe-partout pour tous les jours. Celui-là, il est magnifique. Oh là là, mais c'est de la crème. C'est de la crème. On va prendre un mat. Oh, c'est ultra pigmenté, hein. Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi pigmenté que ça. Et il y a plusieurs textures de fards. Oh, mais c'est ultra pigmenté. Mais celui-là, c'est de la crème. C'est de la crème, là. Le 236, là, c'est de la crème. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est de la crème. Bon, celui-là, un peu moins pigmenté. Le bleu, très joli, par contre, ouais. Et celui-là. Alors, celui-là. Le 236. Le 2004, c'est la même texture que le 236, le 2004. Oh ouais. Et celui-là aussi, le break-up. Alors, les fards, là, qui sont le break-up, le 2004. J'imagine le My Sandwich. C'est ultra pigmenté. Mais c'est ultra pigmenté. Oh, c'est magnifique. C'est très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Et c'est relativement bien pigmenté parce que là, j'ai du biphasé et ça a du mal à partir. Hein. Ouais, c'est bien pigmenté. Bah ouais, ouais, ouais. Je suis surprise parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. Et la dernière qui était, je pense, sur Instagram, c'est celle que vous avez un petit peu le plus plébiscité pour que je teste en vidéo. Bon, je pense que je ferai les swatchs des autres et je ferai un petit make-up avec celle-ci. Elle est superbe. Elle est superbe, c'est un livre, vous voyez. On ouvre, on a le miroir sur le côté. Et franchement, au niveau des fards, je vais reprendre une autre petite lingette. Cette couleur-là, en fait, elle est un peu plus pop au niveau des couleurs, un peu plus rosées. Et je pense que le Hightech 3, Hightech T, Rachel, bah celui-là, il va être crémeux aussi. Bah voilà, c'est ce que je pensais. Cette texture, mais regardez ça. Oh, papa, le Manhattan, pareil, même texture. Le Big White Dog, même texture. Regardez la texture du truc, là. Oh là là, le Hightech T Rachel, là, il est magnifique. Oh, papa, papa, regardez ça. Oh, papa. Et on va faire un ou deux mats. On va mettre celui-là. Waouh. Celui-là et celui-là. C'est bien pigmenté, les mats, hein. Ouh là là. Celui-là, le Dr. Drake Ramoré, un peu moins. Mais les autres, c'est prometteur, les gars, c'est prometteur. Donc, je ne sais pas si elle est encore à la vente. Si c'est le cas, je vous la mets en barre d'infos. Parce que là, il y avait quand même des promos assez récentes là, chez Make-up Revolution. Là, tout le mois de décembre, je pense qu'il va y avoir des promos. Et puis, sûrement après, il y a les soldes. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir une numéro 3, une série numéro 3, mais voilà. Donc, bah, je vous testerai ça prochainement en vidéo. Donc, merci à la marque de m'avoir envoyé tout ça parce que j'ai hâte de tester tout ça. Bon, là, il est, je pense, pas loin d'11h moins le quart. 10h30, on est bon. Il est 10h30, on est bon. Je vais descendre au rez-de-chaussée. Je vais descendre au rez-de-chaussée. Je vais aller dans le bureau commencer à monter. Je vais commencer en face. Je vais commencer à. Oh, vous êtes un peu toute traviole. Hein. Là, j'ai
J'ai mes sous-vêtements que je vous ai fait voir tout à l'heure, je vais aller les ranger. Je vais aller dans le bureau commencer à monter le vlog de... Le vlog. La vidéo de Chine. J'arrive plus à me coiffer les gars là. Ça fait presque plus d'un mois et demi. Heureusement que les coiffeurs ont réouvert, là, je suis bien contente. 14h cet après-midi. Et attendez voir. Parce que mon mari m'incite à aller chez Action. C'est pas ma faute, hein, c'est la sienne. Hein, c'est pas ma faute. Là, vous voyez le bazar derrière. Là, tout le linge que j'ai tourné de la vidéo Chine qui est à laver. J'ai mis tout par terre pour tout descendre. C'est pas moi. Hein, c'est pas moi. Il me dit, il faut. C'est quand que tu vas chez Action? Bah, je dis, je sais pas, j'ai fait une liste des petites choses qu'il me faut et tout ça. Mais j'irai pas tout de suite, j'en viens, etc. Ah oui, parce qu'il me faut des trucs, moi, pour le travail, machin. Tu m'incites à aller chez Action. Il me dit, oui, il me faut des choses pour nettoyer les sièges du camion. Il me dit, j'ai pas le temps d'y aller, nanana. Après, il me dit, ouais, faut que tu me reprennes du AD Blue, là, pour mettre dans un réservoir qu'il y a dans le camion. Pour le moteur ou j'en sais quoi. Il a déjà acheté un 5 litres et il m'a dit je voudrais faire le deuxième véhicule et j'en ai pas eu assez ou je sais pas quoi. Je dis donc tu m'incites à prendre un caddie. Je lui dis tu en es bien conscient. Je lui dis tu m'incites à prendre un caddie. Tu en es conscient. Et mon fils s'est mis à éclater de rire. Il me dit ouais là papa tu sais pas ce que tu risques. Hein. Maman prend un caddie à Action, c'est mort. La semaine dernière j'avais acheté. Ben vous allez voir là, vous avez vu dans le hall Action, j'ai acheté des grands miroirs que j'ai placés dans le couloir. Je vous ai montré sur Instagram que j'allais les placer. Et finalement, par rapport à ce que je veux faire, il me faudrait un grand miroir et deux plus petits dorés et argent, dorés et noirs. Donc je vais voir s'il y en a encore. Si c'est le cas, comment je vais prendre un caddie. Enzo aussi a la semaine prochaine ou cette semaine. 8, 9, 10, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Et ils ont une journée spéciale truc moche de Noël. Voilà, apparemment c'est une tradition à ce lycée, donc je sais pas. Ils ont un truc spécial tradition de Noël truc moche. Donc pull moche, etc. Donc faut que j'aille voir chez Action, mais ça m'embête d'acheter un truc à 8 ou 9 euros pour une seule journée. Donc je vais voir si je peux pas lui trouver un bonnet ou un truc à 2, 3 euros. Voilà, je vais voir. Il me faut aussi donc les cadres. Il faut du détachant pour les sièges, le truc pour la voiture. Il me faut pour mon mari aussi les trucs de spéculoos qui sont individuels. Il en emmène deux tous les jours. Là, je pense que je vais prendre deux ou trois paquets, comme ça j'en aurai d'avance. J'ai marqué quoi? J'ai d'autres trucs que j'avais mis sur ma liste. Je sais plus. Une télécommande universelle qu'on avait mis parce que on avait acheté une nouvelle télé dans notre chambre, Smart TV, donc TV connectée pour pouvoir avoir avec le réseau Wi-Fi via MyCanal+, on a toutes les chaînes dans la chambre, on n'a plus besoin de décodeur, etc. Enfin bref. On a remis notre télé dans la chambre à Enzo, comme ça il a mon Google Chromecast, il a ma Chromecast pour pouvoir regarder Netflix. Amazon Prime et tout ça sur sa télé dans la chambre. Mon mari me dit, ouais, la télécommande, elle marche plus, tu te rends compte, on a mis 150 balles dans la télé, si on a mis pas cher, voilà, c'est de la merde. Enfin, il commençait à s'énerver et tout ça, je lui dis, t'as changé les piles? Il me dit, ouais, j'ai changé les piles, et même avec les nouvelles piles, ça marche pas. Moi, j'avais deux piles que j'avais là dans ma pièce, que c'était pour un truc, je sais plus quoi. Je dis, je vais quand même essayer de changer, de mettre d'autres piles. Et ce matin, j'essaye, là, je mets d'autres piles et ça fonctionne. La blague. Heureusement que j'ai testé avant de partir, sinon j'aurais acheté une télécommande universelle pour en rien. J'ai mon ciseau de cuisine qui a disparu. Je ne sais, je pense qu'il est parti à la poubelle avec quelque chose. Je pense. Donc ils me refont un ciseau de cuisine parce que voilà, j'ai plus de ciseau de cuisine. Donc il m'en faut un, faut que j'en reprenne un ce matin. Donc voilà. J'ai des petites choses à finir en petits cadeaux de Noël et tout ça. Donc je pense que je vais aller après le coiffeur, parce que j'ai rendez-vous à 14h. À 15h, j'ai le drive à récupérer à côté du Action. Donc je vais faire le coiffeur. À 14h30, normalement, je suis sortie. 14h30, je m'en vais chez Action. Donc du coiffeur, j'en ai à peu près pour 20 minutes. Je repasse chez Action, je fais mon petit tour, machin. Et je sors de chez Action, je vais récupérer le drive. Et voilà.
Et après, de la semaine, il n'y a plus de sortie de la semaine. Donc, voilou. Donc, je vais commencer à aller bosser pour vous. Je vais me réhydrater le visage parce que je sens que ça me tire. J'ai mis une tonne de crème là déjà ce matin. Quand j'ai nettoyé mon visage, j'ai remis une tonne de crème. Donc, j'ai remis. J'ai quasiment pas mis rien, ni contour de yeux, ni quoi que ce soit. J'ai mis aucun soin. J'ai nettoyé ma peau à l'eau de rose de chez Action. Franchement, elle est trop bien. Elle est super bien notée chez Yuka. Et j'ai remis ça. Ça m'a, à chaque fois que je fais une allergie sur le visage, ça me sauve cette crème. C'est de la marque Dermagor. Je l'avais eue, je crois, dans une box. Et je pense que je vais me la commander. Elle est pour les peaux sèches à atopique. Donc, restaure la barrière cutanée et pour les peaux très sèches et les peaux atopiques. Et c'est atopical. Et franchement, je mets une couche, mais alors épaisse. Et ça boit en 10 secondes, tout est bu. Donc là, je vais refaire pareil. Zone sèche et irritée. En fait, j'ai l'impression d'avoir pris un big coup de soleil sur le visage, d'avoir la peau toute sèche, toute granuleuse. Et bah, ça tire. Donc, je vais remettre une bonne couche de ça. Et puis, pendant que ça va bien pénétrer, eh bien, je vais commencer à monter le haul Shein, finir la miniature pour la vidéo de ce soir. Et je vous retrouve tout à l'heure après le coiffeur pour vous préparer, pour vous présenter la box season, enfin le concept season, je crois que c'est ça, season, que j'ai commandé pour les plats pour le midi. Et si ça me convient, comme je vous l'ai dit, eh bien, ça sera, c'est sous forme d'abonnement. Donc soit vous tous les jeudis ou vendredis, suivant le jour de livraison que vous voulez. Donc moi, en l'occurrence, je voudrais faire livrer le lundi. Je pense que je commanderai peut-être 4 à 5 plats pour la semaine pour moi et pour mon mari. Alors plus, je prends 8 plats pour la semaine si mon mari revient. Et après, peut-être que je le conserverai pour moi. Comme ça, le midi, j'ai pas à faire à manger. C'est déjà prêt. Et je me concentre sur le plat du soir. Voilà, ça sera peut-être une nouvelle organisation. Parce que finalement, l'abonnement n'est pas excessivement cher, je trouve. Pour des plats préparés, j'ai compté, ça fait à peu près 8 euros le plat. Donc 8 euros le plat, voilà, avec un dessert, un fruit, pourquoi pas, une compote, un yaourt. À voir, affaire à suivre. Donc à tout à l'heure, je vais avoir une meilleure tête parce que je vais être. Voilà, parce que alors là, non mais écoutez, là, c'est plus possible, j'arrive plus à coiffer, plus du tout. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Me voilà rentrée, je suis toute rouge là avec le froid, il fait pas chaud. Il est presque 16h, ouais, moins 5. Donc je suis allée chez le coiffeur, ça fait un bien fou, un bien fou. Elle me dit, ah, ils sont tellement beaux vos cheveux blancs. Elle me dit, ça serait dommage de vraiment les colorer. Bah oui, ah ça fait trop du bien. Donc prochain coiffeur pour Enzo, mercredi, je suis toute rouge avec le froid. Plus mes rougeurs sur le visage avec l'allergie. What the fuck? Ben, j'ai rencontré l'une d'entre vous à Action là tout à l'heure en sortant, elle rentrait. Donc si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc du coup, voilà, ben, c'est pour celles qui sont dans le coin et qui vont à Action, ben, dites ville, vous serez sûrement amené à me croiser. Donc ben, moi, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Vous savez qui je suis, mais en général, je ne sais pas qui vous êtes. Donc en général, quand vous me faites un petit coucou, essayez de me dire votre pseudo, comme ça me permet de mettre des fois des commentaires et sur un visage. Donc je suis allée donc chercher mon drive. Et je suis allée donc du coup chez Action. J'ai repris un grand miroir que vous avez vu dans le hall Action vendredi, je crois. Et mon mari m'avait missionné chez Action pour ce truc-là, là, le AdBlue. Là. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Pas ce que c'est que ce machin. C'est solution. Voilà, c'est pour dans le moteur. Donc, et du coup, j'ai repris les petits miroirs. J'ai trouvé ce machin-là pour mettre sur le dessus de ma TV. Que j'avais pas encore trouvé de petite déco. Et j'ai repris essentiellement des petites choses à manger, des boissons énergétiques pour Enzo, des goûters pour Enzo. Voilà, j'ai repris quasiment des petites choses, des petits trucs sans bon pour dans le sapin. Mes courses aussi, j'ai mon drive qui est là. Tout est là. Donc je vais ranger tout ça et puis après je vous montre s'il y a des choses que je vais vous montrer. Je vous montrerai. Ça me gratouille de partout là, les cheveux, vivement la douche tout à l'heure. Donc, le chéri du coup est rentré manger. Alors, Season, je vous avais dit que je vous montrerais le colis. Sauf que Chronopost égale à eux-mêmes. Soi-disant qu'ils ont sonné, mais qu'il n'y avait personne. Sauf que j'ai eu le mail, le SMS de telle heure à telle heure. Donc, j'étais dans le bureau exprès pour attendre.
Et le gars, apparemment, ça a sonné sur mon téléphone, j'ai pas répondu. Donc s'il faut répondre au téléphone, donc j'ai redemandé une livraison demain. C'est des produits frais, donc j'espère que la chaîne de froid va bien être maintenue. Donc pour une relivraison demain, donc on se retrouve demain. Et puis si c'est pas encore livré demain, je pense que je vais appeler Season, je vais pousser un petit coup de gueule. Parce que c'est pas normal que le livreur ne daigne même pas sonner. Donc là j'ai marqué en choix livraison le demain. Et cette fois-ci, d'appuyer sur le bouton de la sonnette. Voilà, on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour vous faire voir si j'ai trouvé des petites choses ou sinon, ça sera demain. Bon, allez, je vous montre rapidement ce que j'ai pris à Action. Il est 16h12. J'ai repris des trucs comme ça pour le goûter pour Enzo. Des porte-manteaux parce qu'avec le haul Shein que je viens de tourner ce matin. Oui, je sais, j'ai pas encore débarrassé ma table de ce midi. Je suis partie en coup de vent parce que mon mari est venu remanger, que c'était pas prévu, etc. Enfin, bref. Donc j'ai pris ça, les porte-manteaux, j'ai pris de l'eau, j'ai pris 4 boissons énergisantes comme ça, c'est les préférés d'Enzo. J'ai trouvé ça qui sent le pain pour mettre dans le sapin. J'en ai pris 2, je crois que c'était à 39 centimes. J'ai pris ces petites choses-là pour mettre dans la petite déco, je vais vous faire voir après, que j'ai posé sur mon meuble. Donc il y en a Winterwood, bois d'hiver et cinnamon cannelle. J'ai pris ça pour tester parce que j'ai un pull à Enzo qui est tout bouloché, donc on va tester. Et j'ai pris des petites choses pour mes comment ça s'appelle, mes porridge. J'ai trouvé ça, c'est nouveau, délice de Belgique. Donc il y en a un avec de la noisette et celui-là c'est caramel et sel. Et j'ai pris des rises. J'ai pris ça aussi pour Enzo parce qu'il m'a dit oui, il faut que tu trouves un truc moche de Noël. On fait une journée spéciale truc moche de Noël qui est comme ceci. Alors, il n'y a pas beaucoup de trop de lumière. Je vous ferai voir demain avec les petites bougies que je vais mettre à l'intérieur là. Donc voilà, pour mettre sur ma... Hello, on est mardi. Je vous reprends, je ne suis pas encore préparée. Mais le livreur ChronoFresh vient de m'appeler. En fait, ils ont consigne de ne pas sonner chez les gens et de les appeler sur leur portable. Et comme hier, je n'ai pas répondu, eh bien, ils ont conclu que la personne n'était pas là. Et c'est les consignes par rapport au Covid. Donc, ils ne sonnent plus chez les gens. Ils joignent les gens par téléphone. Donc, maintenant, je le sais. Il faut que je réponde à ce 07. Donc, je vous ai parlé de cet abonnement que j'ai pris pour des repas livrés par des chefs. C'est priorité donc au circuit court, céréales, légumineuses bio, viande et poissons labellisés, des œufs de plein air, fruits et légumes de saison. Ça fonctionne par abonnement. Vous pouvez choisir, je vous ferai voir un petit peu après sur l'écran de l'ordinateur comment ça fonctionne. C'est pas sponsorisé, hein, c'est moi qui ai payé avec mes sous. Je vous ai dit, comme mon mari revient le midi manger, et y a des fois, il m'appelle vraiment au dernier moment. Et comme je vous dis, moi, le midi, je cuisine pas en général. Donc maintenant, c'est comme ça, ça permet jusqu'à que les restaurants réouvrent. Ça va permettre de voilà de pallier. Et puis moi, le midi, si je trouve ça bon, et je continuerai, je pense. Comme ça, le midi, j'ai un repas à peu près équilibré. Et voilà. Donc, on va ouvrir ensemble. Je n'ai pas encore ouvert. Je viens juste d'ouvrir le carton. Ouh. Donc on a bonjour, c'est votre première commande saison. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. On espère que c'est une longue histoire qui commence. Bon appétit et à très vite. Je sais qu'il y a un petit, il doit y avoir un code promo. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, pas un code promo, mais un code de parrainage. Donc je vais sortir tout du carton. Donc j'ai pris. Bon, c'était un petit peu secoué hein, tout ça. J'ai pris, alors comme vous voyez, c'est sans. J'ai pris lieu pilaf de lentilles et sauce poireau. Donc il y a juste à réchauffer. Je prends 2 minutes 30 au micro-ondes. Donc les ingrédients, lentilles vertes bio, filet de noir, filet de lieu noir, poireau bio. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses bio. Et vous avez la date ici à consommer jusqu'au. Donc celle-là, c'est le 12. J'ai pris ensuite un dalle de lentilles qui m'a l'air ultra bon. Donc ça c'est 100% végétal, sans lactose, sans gluten. Donc ça c'est jusqu'au 11. Donc on commencera par tout ce qui est le plus court en date. Mais jusqu'au 12 c'est bien. Ensuite j'ai pris des carbonara. Oh là là, ça m'a l'air très bon tout ça. Ensuite j'ai pris poulet écrasé de pommes de terre fondues. Poireaux épinards, voilà. Donc ça c'est le 10, donc je pense que c'est ce que je vais manger ce midi. Le 10, ensuite on a un chili con chicken. Franchement ça m'a l'air super appétissant.
Donc ça, c'est jusqu'au 12. Donc beaucoup de plats sont sans gluten, donc c'est top parce que je voulais essayer justement de faire du sans gluten. Là, on a du poulet sauce poulette. Et donc là, j'ai fait une sélection de 8 plats. Poulet sauce poulette, j'en ai pris 2 différents, 2 pareils. Et donc vous pouvez choisir ensuite celui-là, j'ai pris un maffé de légumes végétarien sans lactose et sans glutose, sans gluten, sans glutose. Donc voilà un petit peu pour les plats, donc je pense que je vais manger celui-ci ce midi, puisque aujourd'hui on est le 8, donc je vais manger celui qui est en plus DLC courte, puisque non, je pense que ce midi ça va être ça. Ça va être poulet, écrasé de pommes de terre, fondu de poireaux et épinards. Voilà, je pense que ça va être ça ce midi. Je vous retrouverai ce midi pour vous faire voir un petit peu si c'est bon ou pas. Donc, je vais mettre tout ça au frigo. Et puis, je vais vous montrer un petit peu sur leur site comment c'est foutu pour choisir. Si j'ai mon, je sais que j'ai un code de parrainage qui s'active quand on a fait la première commande. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Je crois que ça vous donne un code promo de moins 20% sur votre première commande. Donc, je vous le mets à l'écran et en barre d'infos. Je vous mets tout ça au frigo et on se retrouve sur le site. Donc sur le site internet, ça se présente comme ceci, vous avez des nouvelles recettes chaque semaine. Vous avez des choses donc pour faire si vous êtes pour le sport, végétarien, moins de 500 calories, les nouveaux, les choses pour Noël, etc. Donc moi j'ai déjà commandé mes choses pour la semaine prochaine. Donc j'ai prévoyé, il y a quand même pas mal de choix de plats. Et vous avez aussi des choses meal prep, des choses qui sont déjà faites. Vous voyez là il y a des œufs brouillés, donc voilà c'est vraiment pas mal. Ici, j'ai mes commandes. Vous voyez, pour la semaine prochaine, j'ai déjà choisi mes plats. Donc, vous avez aussi le format 4 plats, 6 plats, 8 plats, 10 plats, 12 plats, 14 plats. Donc, plus vous prenez de plats, moins le repas est cher. Donc, moi, j'ai pris 8 plats. Le repas me revient à 8,11€. Donc, moins cher si vous alliez au restaurant. Et c'est fait avec des produits de qualité. Donc quand je vais tester ça cette semaine, de toute façon je vous en reparlerai. Bien, si vous voulez tester cette formule, je trouve ça vraiment bien. Même si vous êtes seul et que vous n'avez pas envie de cuisiner, voilà, les plats sont déjà tout arrivés. Niveau budget, ça ne fait pas plus cher que si vous achetiez tous les ingrédients. Si on compte 2 repas pour 2 personnes le midi, franchement c'est pas excessivement cher, 8€, c'est pas excessivement cher. Et voilà, pour manger des produits bio et de saison et déjà cuisiné, donc pas d'électricité, pas de gaz, pas de voilà, pas de temps, pas de perte, voilà, pas de gâchis, pas etc. Donc je vous en redirai des nouvelles. Là je vais aller finir de me préparer parce que je suis même pas encore habillée. Donc, il m'a surpris au... Mais c'est très bien livré, la chaîne de froid est bien respectée. C'est Chrono Fresh, un camion réfrigéré. Donc, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis prête. Donc, vous voyez, j'ai encore le visage vachement rouge. Hein. Donc, là, j'ai mis pas mal de crème hydratante. Il faut que je fasse un masque hydratant ce soir. Ça m'a massacré le visage, cette allergie-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais... là c'est encore bien rouge, hein, on le voit, c'est tout sec en fait. Donc j'ai mis le nectar là ce matin de chez, hier soir aussi. C'est un nectar aux 8 fleurs réparatrices là, ça, pour essayer de bien hydrater. Ça m'a fait du bien hier soir. Et je pense que ce soir je vais faire un masque hydratant parce que j'ai la peau qui pèle. Je pèle, même dans les sourcils je pèle. Donc c'est... Donc j'ai juste mis là un petit peu de mascara, j'avais des vidéos make-up, j'ai des marques qui m'ont envoyé des produits qui attendent les vidéos. Mais je peux pas les faire là, je pense que le fond de teint, peut-être demain, je ferai une tentative demain, on verra. Pour les lèvres, j'ai mis ça de chez Kiko, c'était les Kiko, je sais plus comment ça s'appelait ça, les... voilà, Unlimited Double Touch, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs. Celui-ci c'est la teinte 105, donc vous avez un côté qui ici qui est mat et vous avez le gloss par-dessus. Et j'aime beaucoup la couleur quand je suis habillée avec le sweat que vous avez vu, la robe sweat que vous avez vu dans le haul Shein. Donc je vous ferai voir ma petite tenue. Et les boucles d'oreilles, c'est les petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées dans, que vous avez vu aussi dans le haul action de cette semaine. Donc je vais vous montrer ma petite tenue en miroir. Et puis, c'est lourd. Et puis là ce matin, programme, je vous ai fait voir, je vais vous poser, c'est plus simple hein. C'est-il pas mieux? Le programme de ce matin, c'est finir la vidéo Shein, finir les liens, mettre les liens, faire la miniature, parce que du coup, ça s'est mis en ligne cette nuit. Finir la miniature pour la vidéo de ce soir qui est la manucure.
J'avais tourné aussi une vidéo sur la palette Kaleidoscope avec un make-up. Je vais voir si un make-up suffit dans le temps de la vidéo ou s'il faut que je vous en retourne un autre pour vous faire deux idées de vidéo, deux idées de make-up avec. Je vais voir suivant le temps de la vidéo. Parce que c'est ce que je voulais tourner ce matin pour vous remettre un make-up un petit peu dans les tons orangés, vous voyez, un peu orangé là, les orangés qui sont ici, hop là, ici avec ce fard là. Mais non, j'ai peur de... Donc déjà ce soir je vais voir quand je vais me démaquiller, donc je pense que je n'utiliserai même pas le démaquillant de chez Action. Parce que je ne sais pas si c'est ça qui m'a fait l'allergie. Je vais me démaquiller avec les lingettes démaquillantes sans rien. Et je me ferai un masque hydratant. Il faut que je regarde ce que j'ai en masque hydratant. Très, 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 très hydratant. Je sais que j'en ai un qui était de chez Montblanc, je crois. Ouais, il me semble. Donc, il est très, très hydratant. Donc, je pense que je ferai ça. Donc, voilà le petit programme de ce matin. Là, du coup, mon téléphone est resté en bas. Je vais aller finir tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur. J'ai des devis également à faire pour la société. Parce que hier soir, j'ai fait les factures, les devis. Et là, j'en ai deux envoyés par mail. En général, je privilégie ceux qui sont envoyés par courrier. Comme ça, mon mari les poste. Et je fais les suivants après, comme je sais qu'il faut que je les fasse dans la journée. Ceux qui sont que par mail. J'ai reçu aussi un petit truc que je vous montrerai lors de ma prochaine manucure. C'est une lampe, je peux vous la montrer maintenant, hein. Je vais vous la montrer. C'est une lampe en fait UV, mais avec un seul, je vous la montre, ça va être plus simple. Donc c'est une lampe qui se clipse sur soit la table ou soit sur, moi je l'ai mis là, c'est plus facile. Ici c'est complètement souple et vous avez au bout, et ben, hop, une UV, vous voyez ? Une lampe UV au bout. Donc pour la pose américaine, eh ben c'est plus facile de tenir, le mettre en dessous pour le temps que ça catalyse. Donc je le testerai, comme vous l'avez vu dans la vidéo Shein, j'ai un ongle qui a sauté puisque j'avais testé une rubber base de chez Beauty Luxe, mais je m'étais trompée, j'avais mis le top coat au lieu de la rubber base. Donc bah, les ongles, il y en a certains qui tiennent, d'autres qui... Et celui-là a sauté avec la botte, vous avez dû vous en apercevoir dans la vidéo de Shein. Et je l'ai reposé avec hier, et ben ma foi c'est pas mal pratique. Donc vous avez un petit interrupteur ici. Donc je vous mettrai le lien, je l'ai chopé sur Amazon pour 15€. Donc vous voyez, soit vous l'attachez ici, ou alors vous l'attachez... Donc c'est complètement flexible. Vous voyez, c'est complètement flexible, donc ça permet vraiment de régler la hauteur, etc. Et ça se branche par câble USB. Donc moi, je l'ai branché dans mon boîtier, là. Donc j'ai reçu ça hier, donc j'ai testé aussitôt. Ça a permis de tester la bête aussitôt. Donc je trouve ça... Ça fait du bruit. Je trouve ça super pratique. Voilà. Donc, je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue. Alors la petite tenue, c'est, comme je vous le dis, c'est la robe sweat qui est assez courte, hein, je dois l'avouer. Elle est assez courte, donc j'ai mis un shorty en dessous, vous voyez, j'ai mis un short. Elle est assez courte, hein, je l'avoue, moi je fais 1m55, donc si vous êtes plus grande, elle va être vraiment trop courte. Donc ça sera apporté forcément avec un legging. Mais comme j'ai des collants très opaques, et j'ai mis ça avec une paire de boots marron. Donc j'ai une tachouille là, mais c'est de l'eau, hein, et voilà. Et pas mal, hein, c'est sympa, c'est un peu sportwear. Voilà, avec un, comme je vous l'ai dit, avec un shorty, parce que voilà, c'est quand même assez court. Donc si on veut voir qu'on voit le shorty, on peut mettre même comme ça avec le shorty, voilà. Mais voilà, elle est à la maison, c'est très bien. Je ne sais pas si je sortirai avec quelque chose d'aussi court que ça, je pense que je mettrai un legging. Mais bon, j'ai des collants opaques, donc ils sont tellement opaques qu'on dirait presque un legging. Donc non, c'est pas mal ça. Elle n'existe en qu'une couleur par contre. Donc je vous l'avais montré dans le haul Shein. Bon allez, je vais bosser. Et les cheveux, ça a fait un bien fou, hein. Bien bien fou. Quand même dit la coiffeuse, elle me dit, qu'est-ce que vous avez des beaux cheveux gris. Ils sont vraiment beaux vos cheveux gris. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, ça a vraiment brûlé, hein. C'est un truc de malade, hein. C'est encore drôlement rouge, hein. Ouais. Donc ce soir, masque hydratant. Et demain, je pense qu'on testera de me remaquiller parce que j'ai les marques qui me relancent. Et
Bah oui, bah, c'est ça aussi le boulot de j'aime pas ce terme influenceuse, mais de testeuse, on va dire, parce que voilà, bah, on teste des choses et puis bah ça passe ou ça casse. Là, ça a cassé en l'occurrence. Ça me fait même. J'espère que je ne vais pas garder ces marques-là tout le temps sur le visage parce que ça me fait un peu peur. Enfin. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le petit repas, comme ça on testera ça ensemble. Donc finalement ce midi je vais me faire celui-là parce que comme il est en double, comme ça ça permettra qu'on le teste tous les deux, mon mari et moi. Donc c'est le poulet sauce poulette. Et celui-ci il y a 464 calories. C'est du riz thaï demi-complet bio, du blanc de poulet blanc cœur origine France, des carottes bio, des oignons jaunes, de l'eau, de la crème, du persil, du jaune d'œuf plein air, de l'huile, du sel, de la maïzena, l'huile d'olive bio, du citron bio, thym, carcasse de volaille, sauce, soja. Et il n'y a aucun conservateur dans ces produits. Donc, je trouve que voilà, à voir si c'est bon. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire si c'est bon. Je vous fais voir déjà l'assiette. Ça me fait le focus sur autre chose. C'est en train de chauffer, comme vous l'entendez. Comme vous l'entendez au micro-ondes. Et en même temps, je regarde. J'ai déjà vu, il me semble, c'est Salvation. Une série, la catastrophe, avec un astéroïde. Il me semble que je l'ai déjà vu. Et là, je vous le montre un petit peu en lumière du jour. Ah, ça y est, c'est prêt. Mon petit truc. Alors, par contre, j'ai acheté des trucs pour mettre dedans. Là, ça sent clairement rien du tout. Mais ça, c'est très sympa et j'aurais dû prendre un chemin de table pour mettre ici. Enfin bref, je vais chercher mon petit plat au micro-ondes, c'est parti. Regardez ça. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais regarder en même temps un petit épisode et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire si c'était bon ou pas. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 2h15. Je suis en train de regarder un autre épisode là. Entre temps, j'ai monté une vidéo, la vidéo sur la palette kaléidoscopique, ouais, Dream. Je vous la remets en petite fiche là si vous ne l'avez pas vu que j'ai posté cette semaine. Oh, ça me gratte. Petit retour sur le plat season, c'était très bon. J'avais peur de ne pas en avoir assez, c'est assez copieux, donc c'est top. Mon mari va pouvoir tester ça. Demain, Enzo, je pense, testera puisque Enzo ne mange pas à la cantine le mercredi. Donc, il testera un des plats. Je pense qu'il mangera les spaghettis carbonara. Je pense demain midi. Comme ça, on va tester ça. Et je vous en ferai un point, je pense, dans le prochain vlog. Puisque la semaine prochaine, j'ai refait une commande pour lundi. Donc, on fera un point. Et puis, comme ça... Ça permettra de voir si je continue sur 8 repas ou si je prends que 6 repas ou que 4 repas. Voilà, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais c'est très bon, c'est frais, ouais, c'était super bon. Ce plat-là, c'est le poulet sauce poulette. Il n'y a pas trop de crème, donc ça va. C'est 464 calories. J'ai mangé un yaourt en dessert. C'est parfait. Parfait. Mon petit chocolat avec le thé pour le calendrier de l'Avent. Voilà, parfait. Parfait. Et ce soir, j'ai prévu, là j'ai mis du poisson, du cabillaud, des dos de cabillaud à décongeler. Je vais faire ça avec du poireau et des pommes de terre. Voilà, comme ça, j'ai plus que le repas du soir à m'occuper. Et c'est un gain de temps, mais de fou, là le midi. C'est un gain de temps de fou. Donc, c'est un gain de temps de fou parce que le temps... que ça m'a permis de monter une vidéo, ça m'a permis de faire un devis. Le temps que j'ai pas passé à faire à manger le midi, c'est pas mal. Bon, je finis de regarder mon petit épisode et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. À demain. Hello, on est mercredi. Je ne sais pas quelle heure il est. Je suis en buée de produits terminés. Je vais tenter de répondre à Enzo, puisque cet après-midi, on va chez le coiffeur, et il veut me faire une décoloration, une coloration. Hors de question, plus ça coûte une blinde. Non. Coupe de cheveux, c'est déjà très bien. Ces ados, ils ont des idées. Là, il m'a demandé si je pouvais faire une coloration des cheveux roses. Alors, j'ai des bons que j'avais de L'Oréal. Je lui ai filé ça, j'ai dit, tu me fais ça, si tu veux, mais ne touche pas à la... Non, on ne décolore pas, non. Ah, ces ados. Donc là, je viens de finir de tourner une vidéo produit terminé que vous avez dû avoir hier, je pense, samedi.
Donc je vais remettre tout ça dans le petit panier et je vais aller mettre tout ça à la poubelle. Donc je vais faire ça parce que ça fait du bruit. Donc là, ce matin, je me suis préparée, ça fait du bien de se remaquiller. Le masque a fait beaucoup de bien. J'ai fait ce masque-là hier soir, il est où? J'ai fait ce masque-là hier soir, le masque réhydratant, apaisant, recharge la peau en eau. Donc c'est l'eau thermale de Mont Blanc et il y a du lin alpin apaisant pour les peaux déshydratées de chez Saint-Gervais Mont Blanc. Franchement, ça m'a fait un bien fou à la peau et je pense que je vais refaire la même chose ce soir parce que j'ai la peau qui pèle. Donc là, pour le maquillage, j'espère que ça va tenir pour la journée. Ça, je vois que ça graine un peu ici. J'ai la peau qui pèle, alors forcément, j'ai des petits bouts de peau. Donc j'ai remis mon fond de teint, j'ai refait mes soins habituels. On va voir. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de me gratter. Je suis toujours quand même bien marquée ici au niveau du pli. J'espère que ce pli-là ne va pas rester. Je l'espère. Donc là ce matin je me suis maquillée avec celle-ci. Vous avez eu la petite revue de cette palette là dans cette semaine de vidéo. J'ai vu sur le site qu'elle était en rupture mais qu'elle va revenir bientôt. Donc vous pouvez mettre un petit truc, m'avertir sur le site de Makeup Revolution. Et franchement, pas mal du tout. J'ai utilisé donc les fards un peu marronnés dont je vous parlais hier. Marronné celui-ci, 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 un petit peu de marron et un tout petit peu de jaune. Et franchement, ça se travaille nickel croc. Franchement, cette palette, elle est très sympa. Et en rouge à lèvres, j'ai mis, il est perdu parmi les produits terminés. J'ai mis un rouge à lèvres de chez Ofra, celui-ci, qui est le Charm. Donc ça, je l'ai eu sur Beauty Bay, donc je vous remettrai la petite référence. Donc je vais mettre tout ça à la poubelle. Je vous retrouve au rez-de-chaussée pour faire voir ma petite tenue. Là, je pense qu'il ne doit pas être loin de midi. Il est 11h35. Enzo finit les cours à midi 20. J'espère qu'il ne va pas louper le bus. Là je pense que je vais aller m'habiller, je vais aller au relais colis, je pense. Non, on va y revenir, c'est vrai que cet après-midi on va chez le coiffeur, donc on va au retour. On va donc chez le coiffeur à 14h pour Enzo, jusqu'à 14h30 à peu près. Après on va chez Picard pour prendre, je pense, des petites choses pour le soir du réveillon. De Noël et jour de l'an, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Et on va aller choisir des petites choses. Et après, je repasserai par le point relais. Comme ça, je mets les produits en même temps à la poubelle. Comme ça, je repasserai pour... parce que j'ai vendu 2-3 petites choses Vinted. Et des petites choses de chez Shein qui n'allaient pas, que j'ai retournées. Que je vous ai montré, je crois, dans le haul. Ouais. Il me semble. Je vais faire ça. Et il faut que je prépare aussi le petit colis pour envoyer pour mes parents. Le petit colis pour Noël. Il faut que j'emballe les petites choses. Donc, voilà, voilà. Donc, pour l'instant, je vais finir ce que je suis en train de faire là. Je vous retrouverai de chaussée pour la petite tenue. Et puis, voilà. Donc, pour la petite tenue du jour, j'ai mis une robe. C'était une robe de chez H&M. Que j'avais acheté l'année dernière en léopard. Parce que j'en avais une de chez Shein. Et finalement, celle de Shein, je ne vais pas la conserver. Il y a pas mal de choses que j'ai triées ce matin aussi en fringues. Que je vais mettre sur Vinted. Donc, une petite robe Shein. J'ai mis un shorty en dessous parce que voilà, elle n'est pas très épaisse. Et j'ai mis ça, une petite robe Shein. H&M, donc ça, ça n'existe plus. Hein, celle-là, vous ne pouvez pas la retrouver. Je ne pense pas. Et un petit gilet rouille de chez Shein. Des gilets que je kiffe. Et j'ai mis ça avec la même paire de boots d'hier. Voilà. C'est un peu dans les mêmes tons qu'hier en fait. Hein, un petit peu rouille. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite tenue. Et la robe, elle est manche courte. Donc voilà. Fallait un petit peu gilet. Au niveau des bijoux, j'ai mis. Là, c'est du Mabox bijoux. Mabox bijoux, là, AliExpress. Ici ma box bijoux et ici on a la boutique de Lulu et celle-ci ma box bijoux. Je vais mettre en face la fenêtre comme ça vous verrez mieux. Et pour les boucles d'oreilles ici c'est Frenchy Fantasy. C'est des bijoux en pâte polymère que je vous ai déjà présenté. Mon téléphone qui s'excite là. J'ai mis un petit faux piercing. Ici il y a du ma box bijoux. Et voilà ce que ça donne en lumière du jour. Franchement, c'est très sympa. Donc, je vais faire mes petites photos pour Instagram. Je sais pas si je vais faire peut-être photos de petites tenues, peut-être. Je ne sais pas. Là, on va prendre ce midi deux petits plats season. Finalement, le chéri va manger avec son frère. Alors, je ne sais pas, chez son frère ou avec son frère. J'ai pas trop compris. Il est revenu vite fait, là. Il me dit, je vais manger avec, avec mon frère. Donc, je pense chez lui. Je pense qu'il va faire à manger chez lui et voilà. Oh, sur quoi je marche? Ça, faut qu'il me le range chez les pieds de la télé. Et je voulais vous refaire un petit point sur ce petit objet.
Ça fait une dizaine de jours que je le teste. Je peux plus m'en passer. Je kiffe en fait d'appuyer sur le petit truc. Oh, les gadgets et moi. Je kiffe d'appuyer sur le petit truc là et que ça fasse. Pour allumer les bougies. Mon mari me dit, t'es une vraie gosse. Je dis oui. Mais oui, tout à fait. Donc, je vais monter la vidéo là, tiroir, pas le tiroir beauté. D'ailleurs, il faut que je vous le tourne demain. Monter la vidéo, produit terminé. Et du coup, ce midi avec Enzo, donc lui, bah oui, j'ai déjà réservé les carbonara. Donc, lui, il va manger les carbonara. Et moi, du coup, je vais manger le poulet écrasé de pommes de terre et fondu poireau épinard. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure quand on est rentré de chez Picard pour vous faire voir ce qu'on a pris pour les petits réveillons. Parce que du coup là, on a un petit restaurant, on a un restaurant qui va faire des menus. Donc je pense qu'on prendra le plat. Le foie gras, j'en avais déjà acheté, donc on aura le foie gras. Je vais prendre sûrement des petits fours là à Picard et le dessert. Et puis voilà, comme ça nous fera le plat, l'entrée, le dessert. Et puis j'avais pris une boîte de chocolat pour le soir, pour le réveillon. Et je pense que je vais prendre aussi pour le réveillon du jour de l'an. Comme ça j'irai qu'une seule fois, produit surgelé. Normalement en cadeau j'ai fini tout. Je pense, j'ai quasiment tout fini. Il me reste juste, comme je vous l'ai dit, à emballer le petit colis pour mes parents. Que je pense que je vais envoyer la semaine prochaine, lundi ou mardi, au en point relais. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire aussi, je vais faire fondre pour récupérer les bougies en fait. Celle-ci elle s'est très très mal consumée, elle sent très bon de chez Action, mais elle s'est très mal consumée. Donc je vais essayer de récupérer la cire pour la remettre dans un petit brûleur comme ceci pour pouvoir eh bien, voir si ça diffuse. Parce que là je suis à court de bougies, j'ai plus du tout de bougies. Je me suis aperçue hier soir, j'ai fait du poisson comme je vous l'ai dit. Mon mari me dit ouais, ça sent le poisson, t'as pas de bougies. Ben j'y non. Et puis les petites que j'ai achetées, c'est Action, là, les petits machins ronds, la cannelle et tout ça, ça ne sent strictement rien. J'ai reçu aussi des nouveaux trucs là via le... Vous savez, je suis inscrite au truc TRND et j'ai reçu des nouveautés Lotus. Alors c'est des mouchoirs 100% fibre biodégradable d'origine naturelle. Donc sans colorant, sans parfum, sans allergène. Donc en petit paquet comme ça individuel et aussi en... paquet cartonné comme ça, donc apparemment le paquet est complètement recyclé, il me semble que j'ai vu, sans colorant, l'ouverture papier à la place du plastique, il y a 80 mouchoirs, les fibres de ces mouchoirs sont 100% biodégradables d'origine naturelle après production, et ils sont biodégradables conformément, donc et il n'y a pas d'allergène dedans, donc voilà, si vous cherchez des choses sans allergène et biodégradables et tout, et ben voilà, donc je vais tester ça, et... je vous retrouve tout à l'heure quand on est rentré de chez Picard. À tout à l'heure. Voilà, on est rentré. Alors du coup, à Picard, j'ai pris ça pour le dessert. C'est la merveilleuse couronne. Donc c'est un chocolat noisette, mousse au chocolat, crème noisette, éclat de nougatine sur le chocolat. Il y en a eu pour 17€. J'ai pris pour l'apéritif des petits mini cheeseburgers et des petits feuilletés. Si vous avez la carte, ils étaient en promo. Ouais, les 30 feuilletés, là, ils étaient en promo. Donc, je vais mettre tout ça au congèle. Et puis, bah voilà. Je vous ai pas fait voir la belle tenue que Enzo a eue pour son beau carnet. Viens faire voir ta belle tenue. Voilà, donc c'est ce qu'il a eu, la tenue avec le gilet, le sweat, le pantalon, le... comment s'appelle ? Le bonnet pour son bon carnet. Qu'il a bien travaillé pour ce premier trimestre. Donc, faut qu'il continue comme ça. Donc voilà, voilou, je vous mettrai les liens, hein. Ça vient chez AliExpress, j'avais fait une commande. J'espère que ce vlog vous a plu, on se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos, je vous fais plein de bisous, ciao ciao.